Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo facecam et aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Du coup on va commencer par les achats les plus anciens. J'avais fait une commande chez Zara parce que je ne trouvais pas mon parfum que j'ai de chez eux en boutique. Impossible de le retrouver, tout ça. Et finalement je me suis rendu compte sur le site qu'ils avaient changé le packaging. Avant il était bordeaux, maintenant il est rose clair comme ça, du coup je l'ai acheté sur le site. J'ai l'impression que l'odeur est pas exactement pareille, j'avais l'impression que l'autre sentait un peu plus. Mais voilà, du coup je l'ai racheté, je crois qu'il coûte 14,95 ou 19,95, je ne sais plus. Mais il sent super bon et franchement il tient longtemps pour un parfum Zara. J'ai commandé aussi ces chaussures, je n'ai plus le prix mais je vous l'afficherai, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. À chaque fois que je les ai portées, vous étiez beaucoup à me demander d'où je les avais achetées. Et ben voilà, elles sont chez Zara. Et de toute façon vous en avez dans plein d'autres magasins des chaussures comme ça. Et moi je les ai pris en 38, ma pointure habituelle. Ensuite on va passer toujours chez Zara mais en magasin. Tout d'abord pour 19,95€ j'ai pris une jupe qui fait short. Alors attendez, habillons là parce que je l'ai mis aujourd'hui. Elle est comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais genre elle est trop belle. Elle est, je sais pas, elle a une matière trop top. Ici vous pouvez faire un petit nœud, bon là le nœud est un peu enlevé. Vous avez une fermeture sur le côté et ce qui est pratique, comme beaucoup de jupes qui font comme ça très court de chez Zara, c'est que vous avez un short en dessous. Donc ça c'est génial parce qu'au moins vous pouvez mettre un truc assez court sans avoir peur que votre jupe se soulève parce qu'il y a du vent ou qu'on voit votre culotte dans les escaliers. Enfin voilà, franchement top top top. Ensuite j'ai pris pour 39,95€, c'était un peu cher quand même, une chemise satinée comme ça blanche, mais elle est trop belle, franchement elle fait trop le style. Je l'avais autant portée avec par exemple la jupe que j'ai mis derrière, vous pouvez aussi la mettre avec un pantalon. Enfin franchement elle est trop belle. Moi j'avais pris en taille XS et elle est franchement large hein. Elle est super large, elles sont assez larges, donc si vous commandez sur le site, prenez plus petit que votre taille. Mais franchement, elle est trop trop belle. Et après j'ai pris deux robes, bah de toute façon elles étaient les deux au même prix, 39,95€. Premièrement j'ai pris cette robe, en fait à la base j'allais chez Zara pour m'acheter une robe pour une soirée que j'avais le soir. Et du coup j'ai trouvé cette robe satin rouge comme ça là, qui est resserrée sur le côté. Elle est magnifique, franchement trop trop belle. Du coup je l'ai portée pour la soirée, j'avais pris en taille XS. Et nickel, franchement trop trop belle, trop hâte de la reporter. Bon là il fait un peu moins beau donc pour sortir en boîte c'est peut-être plus trop le genre de robe qu'on va mettre, mais je la trouve trop canon. Et j'ai pris une autre robe un peu dans le même style, donc toujours même prix, 39,95€, en XS que j'ai pas encore portée. Ce soir j'ai un événement donc maybe je la porte ce soir, faut que je la réessaye. Elle est verte comme ça, genre resserrée pareil à la taille, assez décolletée et elle est très longue. Et elle est un peu ouverte comme ça en bas. Franchement, bon comme ça, ça rend pas grand chose. Mais franchement, elle est trop canon. Donc j'espère que ça va aller pour ma tenue de ce soir. Après, on va passer chez Bershka. J'ai pris... alors attendez que j'ai le ticket de caisse. Une jupe pour 19,99€. Je la trouve trop belle. Encore une fois, c'est une jupe short. Donc top. Voilà, elle est ouverte ici. Vous pouvez resserrer. Fermeture sur le côté. Elle est trop belle, trop canon. Je l'avais portée avec les petites chaussures que j'avais de chez Zara. Avec ou sans collant. Nickel, c'est vraiment une petite jupe d'automne. Mince, après il y a deux trucs. Je pense que le sweat c'était 19,99€. C'est un sweat blanc comme ça. Il est genre d'une matière toute moussie là. Genre il est trop trop confortable. Et il est resserré en bas. Donc ça c'est top. Capuche, enfin voilà quoi. C'est un petit sweat. Et celui-ci je pense qu'il est à 17,99€. C'est un petit pull un peu col roulé comme ça, assez court, beige, voilà, parfait pour l'automne. Il est tout doux, hyper confortable à porter, on adore. On repasse à nouveau chez Zara, je vais commencer par la chose pour laquelle je suis allée à la base pour 29,95€. Donc à la base je vais chez Zara parce que donc, comme je dis ce soir j'ai une soirée, sauf que, enfin j'ai une soirée, j'ai un festival de cinéma même. Donc il faut bien s'habiller et impossible de retrouver mon blazer depuis genre 2-3 jours, 2-3 semaines je pense. Du coup je me suis dit bah je vais aller chez Zara, je vais me trouver un blazer c'est sûr, ils en ont tout le temps. Donc voilà j'ai trouvé ce petit blazer, ils en avaient plusieurs mais celui-ci il est top, il est pas trop épais, il est très, ça fait très épaule carrée, j'aime trop. Il est bien cintré, je l'ai pris en taille 34. Franchement il est parfait, sauf que tu vas chez Zara forcément tu trouves d'autres trucs. J'ai pris ce short taille haute beige comme ça pour 19,95€ en taille XS également. Ensuite ce pantalon, bon, moi j'aime pas trop la ceinture, je vous avoue que je pense que je vais mettre autre chose à la place comme ceinture, mais il est très beau en taille 34 aussi. Il est très cintré à la taille donc ça c'est parfait et un peu plus large au fait ses hanches. C'est tout ce qu'il me faut parce que les pantalons, moi quand je prends des petites tailles,
soit les fesses ça rentre pas, soit ça baille à la taille, enfin c'est jamais très bien. Et ceux de chez Zara ils sont top. Voilà, sinon c'est un pantalon genre coupe droite au bout. Moi je pense que je vais le retrousser comme ça parce que c'est plus mon style. Sinon ça me va vraiment genre à la cheville, vraiment le bas de la cheville, j'aime pas trop. Et celui-ci écoutez, ah bah il a pas de prix. On va regarder sur le ticket de caisse. Mais comment on peut savoir c'est lequel? Attendez. C'est le 43,87. 04, 38. 29,95€ le petit pantalon. Après j'ai repris donc pour 19,95€. C'est la même chemise que la blanche, sauf qu'elle est moins chère en rouge, je ne sais pas pourquoi. En fait Angélique l'avait achetée en rouge, je l'ai trouvée trop belle et là je l'ai revue, je me suis dit il faut la prendre. J'ai pris en XS cette fois-ci, en S pardon, cette fois-ci, avec plus de XS, mais je pense que ça va. Je vois pas une réelle différence, mais elle est trop trop belle. Ensuite, pour 25,95€, j'ai pris en taille S ce petit pull. Un petit pull blanc, simple, pareil, assez court. Il est super doux, super agréable pour l'hiver. Ensuite, j'ai pris une chemise verte comme ça. J'ai l'impression que vous la voyez plus foncée que ce qu'elle n'est. Et en fait, elle est resserrée. Elle est assez décolletée. Et ici, vous pouvez la resserrer. Donc, vous pouvez la faire aussi courte que vous voulez. Et voilà, simple, efficace. J'aime beaucoup ce genre de couleur pour l'automne-hiver. Je vous ai dit le prix. 17,95€. Avant-dernière chose, non avant-avant-dernière pardon. J'ai pris un pantalon noir assez simple, assez large, parce qu'en fait j'en ai des en jean mais j'en ai pas des noirs de ce style mom. J'ai pris en taille 34, il coûtait 29,95€ et franchement il est top. Peut-être à peine large aux jambes mais franchement ça va. Par contre il est serré à la taille hein. Genre moi qui fais vraiment un 34 là, c'est un 34, faut pas que t'aies bien mangé sinon tu peux plus respirer quoi. Mais au moins il resserre la taille hein, ça c'est sûr. Et écoutez, 29,95€. Avant dernière chose cette fois-ci, pour 19,95€, j'ai pris ce petit haut noir satiné, très sympa pour les soirées. Mais il est à l'envers là. Il a une doublure au niveau du devant, donc c'est top pour mettre sans soutif, c'est nickel. Assez, pas dos nu non plus, hein, mais assez ouvert dans le dos. Et en bas du dos, vous avez des petits boutons qui sont plus de la déco. Hein, parce que perso, je ne me vois pas ouvrir mon haut par ici. Il passe très bien sans ouvrir les boutons. Et dernière chose, je voulais vous dire, mais pourquoi ça? Ah bah voilà, on a le prix. J'ai repris le parfum. Il coûte du coup 15,95€. Vous voyez, c'est une boîte rose comme ça. Parce que j'aimerais bien en mettre un. En fait, j'ai le reste de mon ancien qui est dans ma voiture. J'en ai un qui est chez moi et j'aimerais bien en mettre un dans mon casier parce que ça fait un parfum pas cher pour mettre pour le travail. Mmh. Il sent tellement bon. J'ai jamais testé les autres parfums de chez Zara. Mais alors, celui-ci, je l'avais acheté le premier au Portugal et vraiment, il sent super bon. Perso, je peux le mettre autant pour les soirées que pour le jour. Que voilà. Bon, allez le sentir en magasin, il sent trop bon. Bon voilà, c'en est fini pour mes craquages. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.